Et salut à tous, c'est Locan pour Locan.fr. Aujourd'hui on va faire un petit podcast très rapide, très simple, en état d'ébriété, afin de vous montrer comment limiter la taille d'une sauvegarde Time Machine sur un NAS que voici ici, de marque Synology, dans le cas présent un DS410J. Alors, limiter la taille de la sauvegarde Time Machine sur la Synology, pourquoi donc, pourquoi faire et à quel sujet, pourquoi donc, hein, ça je l'ai déjà dit. Tout simplement parce que si vous créez un disque Time Machine, un dossier partagé Time Machine sur le petit NAS qu'il y a derrière, je sais pas trop comment ça fonctionne sur les autres NAS, je vous dirai quand j'aurai un lassi. Sur le petit NAS donc, que voici ici derrière, quand vous créez un dossier partagé, eh bien, il va tout simplement occuper le maximum d'espace qu'il y a sur votre disque. Donc ici, il y a 4 disques de 2 Tera, donc ça fait un sacré petit monde. Et si je ne limite pas ça, très rapidement, ma partition, alors que mon disque de sauvegarde fait 256 Go, c'est le SSD de l'iMac que je veux sauvegarder, sur lequel il y a le système et tout ce qui est documents importants, etc. Mais le disque va augmenter jusqu'au temps qu'il prenne toute la place qui est disponible sur le NAS. C'est pas super pratique, surtout quand on sauvegarde beaucoup de fichiers en mode définition et qu'on a justement besoin de 8 Tera de stockage et bientôt d'autres, parce que là ça commence à se remplir. Bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet du podcast. Comment faire ceci, tout cela? Alors là, on va faire une manœuvre super complexe. Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? D'accord, allez, on y va. Hop là, ça s'appelle un demi-tour, ça a été inventé par la NASA spécialement pour Locan.fr, c'est un truc de godin. Donc ceci est un iMac, je vous apprends rien. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un petit zoom d'écran merdique, comme ça vous voyez que je suis en train de discuter avec des gens et tout, c'est génial. Et là, on se retrouve sur le NAS. Alors ouais, je pourrais filmer mon écran, etc., mettre en place un truc trop bien comme font les gens de type Mathieu Blanco, etc., qui au final font du rendu pro. Moi, le rendu pro, je m'en contrefous et j'aime bien faire de l'expérimental. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour créer ceci? Ça, c'est l'interface web de votre NAS, tout simplement. Donc, vous voyez tout normalement. On voit bien sur l'écran quand même que soit c'est l'iMac qui est pas droit, soit c'est le trépied. J'opterai plutôt pour le trépied. Donc vous allez aller ici, vous allez créer un dossier partagé. Alors est-ce que vous y voyez? Dans le doute, je vous fais un petit zoom parce que je suis comme ça moi. Dossier partagé, dans dossier partagé vous allez créer un dossier Time Machine. Donc c'est tout comme, vous venez sur créer ici. Là il est créé, donc on va faire modifier histoire que vous voyez ce qu'il y a dedans. Il s'appelle tout simplement Time Machine, point, il n'y a rien d'autre. Liste de contrôle d'accès Windows, on s'en balance. Et ok. Vous venez ensuite, au préalable bien entendu, non, on va faire dans cet ordre là. Vous faites donc votre dossier partagé ici. Ensuite, vous venez dans Utilisateur, et là, toute la confidentialité des gens qui sont là est foutue. Dans Time Machine, vous allez dans Modifier. Vous allez créer, pardon, un utilisateur que vous allez appeler Time Machine, parce qu'on est super imaginatif aujourd'hui sur le blog de Locan. Et donc, le nom sera Time Machine. Vous mettez un petit mot de passe à la con, de style 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Groupe utilisateur, ben, vous le mettez dans le groupe par défaut. Config des privilèges, ben, vous le mettez tout simplement qu'il ait un accès en lecture-écriture sur Time Machine. Le reste, on s'en tape. Et surtout, vous allez activer un quota. C'est-à-dire que le disque, le SSD de l'iMac fait 256 Go. Donc j'ai activé un quota de 256 Go, puisqu'évidemment le SSD est quasiment vide quoi. Il y a 90 Go je crois, ben voilà, capacité utilisée 88 606. Donc il y a 90 Go de données sur le SSD. Et donc j'ai limité à la taille totale du SSD. Si jamais il se remplit, c'est peinard, sinon ça laisse de la place pour les sauvegardes éventuelles. Donc vous activez un quota de 256 Go et vous cliquez sur activer. Ok, votre utilisateur est là, c'est génial, la foule vous applaudit. Et vous allez venir dans WinMac NFS ici. Donc évidemment tout ça c'est fait avec DSM3, je sais plus qu'est-ce que ça veut dire DSM. Desktop Server Manager, je ne sais rien, une connerie dans le style. Disk Station Manager, ça doit être ça. Et donc vous allez, service de fichier Mac, activer le service de fichier Mac, évidemment, activer la diffusion imprimante. Bonjour, ça si vous ne l'avez pas fait, bon c'est grave. Et vous venez en plus choisir dans Time Machine ici, hop, le disque qui fera office de Time Machine, hop. Vous cliquez sur Time Machine, là normalement il vous met un petit message vous disant attention, les interfaces réseau vont redémarrer, etc. Afin qu'il configure le petit dossier comme il faut. Vous cliquez sur OK et c'est réglé. Nous, comme on est des tarés, on l'avait déjà fait ici puisque c'est déjà configuré. Et c'est nickel. Donc du coup, votre NAS a redémarré, vous avez un petit dossier supplémentaire qui apparaît dans votre NAS. Ici, on va ouvrir les prefs Time Machine et comment ça se passe par la suite. Hop là.
Hop, un petit dézoom, merci bien. Toi, tu reviens par ici. Hop, là, voilà. On va centrer un petit peu, c'est pas plus mal. Ouais. Et donc, vous allez venir activer Time Machine ici. Vous allez venir choisir un disque ici. Jusque-là, vraiment rien d'extraordinaire. Vous cliquez sur ce disque-là, vous cliquez sur, du coup, sauvegarder ou synchroniser, un truc dans le style. Dans les options, puisque moi, j'ai deux disques durs. J'ai le SSD plus le disque de 2 Tera qui est en externe. Je viens ajouter ici le disque de 2 Tera et je lui dis que tu ne me le synchronises pas. Et puisque il a déjà sa synchronisation séparée, je vous ferai un petit podcast un jour sur la manière de sauvegarder ces données, enfin la manière que j'utilise, qui n'est absolument pas une référence, hein, c'est juste pour vous donner une petite idée de piste et en fonction de ça, adapter éventuellement la vôtre. Bref, une fois que vous avez avoir choisi ce disque, il va vous mettre une boîte de dialogue en vous mettant « Donner le nom de l'utilisateur, etc. que vous voulez configurer ». C'est tout con, vous lui mettez l'utilisateur Time Machine qu'on a créé tout à l'heure, le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 qu'on a fait tout à l'heure, vous activez et tadadam, au miracle, ça fonctionne. Du coup, hop, alors là, attention, vous êtes prêts, c'est reparti, classe américaine, wouhou! Ouais, donc il faudrait peut-être que je dézoome un jour. Ça, hop, c'est par là. Et on est dans une dominante de couleur orange, c'est génial. Je me rassois bien sur ma chaise. Donc du coup, vous allez avoir une sauvegarde Time Machine en réseau sur votre petit NAS qu'il y a derrière. Et cette sauvegarde Time Machine sera limitée à 256Go ou 500Go, 2 Tera, etc. Vous réglez la taille, le quota, comme vous le voulez, réellement. Et c'est pas plus mal, comme ça vous évitez d'avoir une sauvegarde Time Machine qui gonfle, qui gonfle, qui gonfle. C'est tout ce que j'avais à vous dire à ce sujet, puisque je suis super motivé, chaud patate, nickel, là, grâce à la DSP, je vais peut-être vous faire le podcast sur la méthode de sauvegarde dès maintenant, je vous mettrai en ligne un petit peu plus tard pour le suspense, tout ça. C'était Locan pour Locan.fr, n'hésitez pas à partager cet article sur Facebook, Twitter, Dig, etc. Et je vous dis à très vite, ciao ciao. Yeah, I see you over there clown walking.